Avant que la vidéo ne commence, si jamais elle te plaît et que mon contenu aussi te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, clique également sur la cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Allez, bon visionnage. So I said no, 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 it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed, I don't know, want to play for champions. I can't believe it's falling. Salut tout le monde, c'est Kitsu, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Moi écoutez, ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le début d'un nouveau let's play. Vous avez vu, ça y est, je redeviens après ce qui est sorti pour vous. Je redeviens actif en termes de sortie de vidéo, voilà. Nouveau let's play, oui, je laisse tomber Pokémon Diamant Randomizer. Parce que ça ne m'intéresse pas de base finalement. La Randomizer. Pour me concentrer sur un Pokémon que je n'ai pas encore fait sur Switch, oui, on est sur Switch, voilà, ça y est, première vidéo sur Switch, je suis content, il y en aura d'autres, quelques petits réglages seront à faire, vous inquiétez pas, mais voilà, c'est le début des vidéos sur Switch, je suis très content. On est sur Pokémon Diamant Étincelant, sorti il y a un moment, je ne sais plus quand. Ouais, 2021. Donc ça fait un bon moment. Donc, on en est au tout début, hein, j'ai juste de lancer le jeu. Faire des réglages son. En quelle langue voulez-vous jouer? Français, bien sûr. Oui, je vais commencer une partie dans la langue choisie. Je suis un peu enrhumé, je suis désolé. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Le prof Sorbier. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Ah, il y a toujours son grand Frix. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre les Pokémon et tissent très fermement avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant parlons un peu de toi. Choisissez votre photo. Lui. On va s'appeler Kitsu. Parce que c'est bien. Hop. Tu t'appelles Kitsu? Oui. D'accord, Kitsu. Quel joli prénom. Et ceux qui sont là, c'est ton ami si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il? René, regardez René. Le grand moment est arrivé, Kitsu. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes que Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers de Pokémon. À Pokémon Diamant, jamais l'affaire finie, je sais, voilà. Et le début, c'est le même, je pense, que dans ma Randomizer. Donc voilà, on a l'habitude, hein, c'est du déjà vu. Malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviathan rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviathan rouge. Ce programme vous a été présenté par Félix Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Comment ça fait plaisir. Switch, c'est le tout dernier modèle de console de jeux vidéo. Le X permet de voir le menu. Oh, il est beau le menu. Oh, on se voit dans le reflet du parquet. Elle est fluide, hein, c'est fluide. Hein. J'aime bien, ça m'appelle Pokémon Let's Go Pikachu et tous les jeux comme ça. Kitsu, René te cherche tout à l'heure.
Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Bon, on va aller voir ce qu'il voulait. Oh, la démarche, par contre. Mais j'y pense. On va pas dans notre zère. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça ne serait pas un souci si tu as ton propre Pokémon. Mais comme tu n'en as pas... J'adore la démarche. Très chibi. Bonne augure. Boum. Voilà, boum. Ah, qui va là? Oh, c'est toi qui te... Et je veux la gueule, alors viens avec moi, traîne pas. Si t'es au bon endroit, tu me donneras 10 000 Pokédollars. C'est normal, hein. C'est un début normal. Je suis armé de prendre aussi mon 5ème minute d'aventure. Oh! Ah, t'as la question, on va au lac. Je t'attendrai sur la route. Si t'es en retard, tu me donneras 100 000 Pokédollars. Ouais, bah. Il a filé comme une flèche, comme d'habitude. Il a sûrement déjà atteint la route de son. Il ne tient vraiment pas en place ce petit. Je me demande de qui il tient. On se demande. Alors, pour info, je sais déjà qui je vais prendre. Voilà, oh, la marche qu'on a. Elle est là. Ah, t'as vu l'émission qui est passée à la télé? Tu sais, c'est sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. À la recherche du Léviathan rouge. Ça m'a fait réfléchir. J'ai peur qu'il y ait aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Allez, passe devant. Rive du lac Vérité. Ça y est, on est arrivé avec tes prêts. On va trouver le Léviathan rouge. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins nous avons pu voir le lac. Allons-en, Aurore. Professeur, qu'est-ce que ça fait de revenir à Sinnoh après 4 ans d'absence? C'est exaltant d'un point de vue scientifique car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Pardon, je relive beaucoup, je la crève. Laissez-nous passer s'il vous plaît, merci. Pardon, je passe. Qu'est-ce qu'il fabrique à ces deux-là? Hé, Kitsu, regarde, viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas aller dans le désert. Inquiète, on n'y passera pas assez longtemps pour faire retirer de ce match de Zazak. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait aller leur rendre, on ne sait pas qui ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Et voilà. Oh, des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, l'animation! Oui! Parce que, hop. Tac. Bon, la mina. Voilà. Je sais déjà qui je vais prendre, comme je vous disais. Ça plaira pas à tout le monde, mais moi, c'est mon choix, c'est mon préféré. Il me semble qu'il est là, voilà. Non, oui. Mais, je vais y arriver. Oui. Un étourne. Oh, l'animation elle est sympa! Un étourne sauvage apparaît. Un petit pouf. Thank you.
comme j'avais pu faire dans mon let's play il y a longtemps, sur Pokémon Diamant, justement. On va passer beaucoup de temps à les entraîner, justement, parce que je ne suis pas un pro de Pokémon, donc je vais m'assurer qu'ils soient très forts avant d'avoir des arènes ou des personnages à affronter. Ah, il a pris Torticus, d'accord. Mais ils sont pas nus ces Pokémon. On n'a pas eu le choix. Il fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Oh la Matelia, le professeur était furieux si je l'avais perdu. Mais vous avez utilisé les Pokémon? Oh non, que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Oh l'autre. Et moi alors? Ah, les voilà. Encore eux? Le vieil abandon qui nous regarde. Aura m'a dit que vous avez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Tiplouf et Torticus. Je vois très bien. Aura, je retourne au labo. D'accord. Attendez-moi, professeur. Vous devez passer une ronde visite au labo. A plus tard. Avec l'occasion d'entraîner un peu les Pokémon sur le retour. Mais alors, il n'est pas en colère? Il a envie de récupérer ses Pokémon. On devrait rentrer, nous aussi, Kitsu. Hein. Ah bah, là, on est rentré. Neuf, mon loulou. Ouah, je n'arrive pas à voir ce qui t'est arrivé. René, toi, être sain et sauf, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorella, Kitsu. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser ce Pokémon. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Mais j'y pense, tiens, Kitsu, enfile ça. Ah, la paire de chaussures de sport. Se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ses chaussures de sport, le trajet te paraîtra brûlant. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Inclinez le stick gauche à fond pour courir, et vous arriverez plus vite à bon port. Ça alors, c'est super! Ah, il est fatigué. Ah oui. Suis-moi s'il te plaît, le professeur nous attend. Nous y sommes, voici notre labo Pokémon. Bon, allons-y. Et boum! Mais que... Oh, c'est toi qui te sens? Ce vieil homme. Il n'est pas juste effrayant, il est complètement fou. Oh, c'est pas grave, je file à plus. Waouh, il est toujours si pressé ton ami? Bref, entrons. Ah ça, il est très fou, hein. Tellement classe comme ça. Pourquoi il a sa valise à la main? Te voilà enfin, tu t'appelles Kitsu, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Je vois. Ce Pokémon a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu me donner un surnom? Oui. Je donne jamais le surnom à mes Pokémon, mais... Je vois, ce surnom te convient? Oui. René m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Tiplouf est entré des bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi. Si ce n'avait pas été le cas, je n'ose même pas y penser. Bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorbier, j'utilise des Pokémon, je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh.
Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de repartir à la rencontre de ces Pokémon de Sinnoh ? Pardon, et de récolter leurs données pour moi ? Oui. Très bien. Parce que je voulais entendre. On a un Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à point de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. J'ai reçu un Pokédex moi aussi. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as remonté la route 201 avec ton Pokémon ? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Avec sa grosse tête de chibi, hein. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors en route, Kitsu. C'est le début d'une grande aventure. Mysticram a été mon premier Pokémon. Si tu avais choisi ce Pokémon au lac, nous aurions eu le même. Enfin, peu importe. Si j'ai appris Mysticram, elle aurait pris Tiplouf. Je m'appelle Aurore. Moi aussi, j'aime le professeur à remplir les poches du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. Je commence un peu avant. Je serais ravi de t'apprendre tout ce que je sais. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, Kitsu. Vas-y. Écoute, Kitsu, comme j'ai plus d'expérience que toi en tant que dresseuse et que je suis assistante du professeur, je vais te servir de guide. Allez, suis-moi. C'est bâti en tout en rouge, c'est un centre Pokémon. Ça, c'est la Poké Shop. Petit Pokémon. Ok. Oh, j'ai oublié. Tu devrais prévenir ta famille, tu vas dire que vous assemblez à compléter le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors j'ai mis que quelqu'un soit au courant. Et avant de quitter la vie, tu fais un mieux sur ton Pokémon au centre. Je te laisse en voir. Alors. Bonsoir mon loulou, ça va? Commencez par ton Pokémon, je vais le dîner, reposez-vous donc un peu. Parfait! Alors comment ça s'est passé mon loulou? C'est alors le professeur Sorbier t'a confié une tâche si importante. Dans ce cas, il n'y a pas hésité, fonce, t'as un manque de soutien. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Note d'aventure. Lors des temps de périer, si tu te poses des questions, consulte cette note d'aventure, tu trouveras peut-être des réponses. Quelle chance tu as de partir à l'aventure avec ton Pokémon en plus. Si je m'écoutais, je t'accompagnerais. Allez donc, je fais donc, mon loulou. C'est une aventure, donc à toi. Ne t'en fais pas pour moi et amuse-toi. Rien ne me fait plus plaisir que de savoir que tu as de belles choses. De belles sensations. Mais reviens de temps en temps, j'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. Excusez-moi, mon petit René est-il ici? Oh, non, il n'est pas là. Oh, il a déjà dû partir, alors que faire? Mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis s'est précipité dehors. Il y a si un puissif et témérage que le moins qu'il nécessite. Ne vous inquiétez pas, qu'il se va lui apporter ça, n'est-ce pas, mon loulou? Oh, vraiment, tu feras ça pour moi? Dans ces cas, peux-tu apporter cette surprise, s'il te plaît? On voit que c'est pas le professeur, c'est un bijou chelou. Au revoir, mon loulou, profite de ton aventure. Me connaissant, je pense qu'il va se rendre en félicité. Je compte sur toi pour le rattraper. Dis donc, tu n'auras pas oublié quelque chose d'important? Ah, le chapeau! On est prêt là. Et voilà, ce chapeau te va toujours ravir. Elle file maintenant. Ah, c'est ça que je voulais. On a 1000 Poké-Dollars. C'est chaud. Combat. On a quoi là? Un défense.
hauteur. Ah, attendez. Je vais juste le remarquer. J'ai jamais remarqué. Soigner un peu. Oui. Petit type louf qui apparaît là. Non. Ok. Pourquoi par là? 219. Oh. Un petit antidote. Oh là, mais je vais pas rentrer. Qu'est-ce qu'il me fait? Ce que je veux comme Pokémon, en fait je voudrais attraper un étourmi. Ah, il y a Aurore. Mais j'y pense. Du tout, je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait, regarde bien. Bon bah je vous laisse hein. Tu vois, c'est facile. Après ça, je vais même faire de la racine encore plus que ça. Il est essentiel d'abaisser le plus possible le PV des Pokémon car ces derniers sont plus difficiles à attraper lorsqu'ils sont en pleine santé. Tu peux aussi te faciliter la tâche en utilisant une capacité pour la surnorme, par exemple. Tiens, qu'il soit aussi quelques Pokémon pour t'aider. Bon, ça nous en fait un peu plus. Quand on fait un long voyage, je vais même avoir beaucoup de Pokémon avec soi et puis plus on est de fou, plus on vit. Bon, il faut que j'y aille, à bientôt.
speed. Oh, Alexio! Je le veux aussi. Alexi. Tu me fais pas peur. Allez, attaque. Level. On prend, hein, les amis, moi je prends. Ah, je bouge le micro là. Ah. Allez. Ah oui. Ah oui. C'est très efficace. Allez, juste pour le fun. Ok, bon, go! Voilà. Un caneta. Ça va en finir vite. Rachète le gamin. Son
7 et niveau 4. Il apprend éclair. Oh, le prof. On a battu Rachid. Ah ouais, désolé. Bon, on va rentrer. C'est pas un étourmi. Je veux un étourmi en fait, c'est pour ça surtout. On a déjà le Conotor. On va aller au centre Pokémon soigner toute cette équipe. Bonjour madame. Oui. Confirmez-moi votre équipe un instant. Je suis venu tout à l'heure, il y avait un Pokémon, là il y en a trois. Merci d'avoir patienté, votre équipe a retrouvé la santé. A bientôt. Bon écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette première, ce premier épisode, cette vidéo. Je m'embrouille dans mes mots, c'est bien, on aime bien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu ce début de Let's Play sur Pokémon Diamant Étincelant. Parce que Jalga, j'adore. Voilà, j'ai oublié de préciser pourquoi j'avais choisi ce jeu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir en commentaire, un partage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait que vous m'écoutez grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon contenu, mais ça m'aide énormément, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça prend 30 secondes, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui le feront. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, la suite du Let's Play, sur Pokémon Diamant Étincelant, sur Pokémon Réunion, sur d'autres jeux, ben voilà, sur GTA. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, un abonnement. Et on se dit à une prochaine fois. C'était Kitsu. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, comme vous voulez. A bientôt. Bye tout le monde. Ciao. So I said, no, 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 it was supposed to be my friends. Like, what did you do to me?